Allez. I see it. Another object of power. They're just standing there, mesmerized by it. Trouver un moyen d'aller chercher. Faut pas que je les tue quand même. Ah. C'est quoi le... Il est où? Il est où le dessin? Comment je peux savoir? Ah là. Tout en haut, ok. Ah oui, on le voit au fond. Ah, c'est bien pensé ça. Yes. Ça a ouvert. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Plan astral. Copie dorée TNG variation. Il meurt pas lui? Ah non, il meurt pas. Bah, je suis censé faire quoi? C'est vrai que... Mais oui, j'ai le tuto là. Les ennemis dans la santé est faible peut-être à... X, X. Ah ouais! Maintenez X, les ennemis saisis combattront aux côtés de Jesse. Ah, pas mal. Ah, est-ce qu'il y en aurait un autre? Alors là, je sais pas pourquoi ça lui fait du dégât. Quand c'est pas moi, visiblement. Dépêche, 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 dépêche. Yes, et je vais reprendre de la vie. Ah zut, il est mort. Ok, j'ai compris le principe. Pas mal. Un public captivé. Parfait. Please state your name for the record. Paul Warren, astronaut, first class. And you are aware that exposure to the astral plane can result in death, disability, personal injury, corporeal untangling, cognitive collapse, loss of ego, and partial to full dementia? Yeah, yeah, yeah. I am. And you acknowledge that your use of the astral conduit, aka the X-ray light box, is purely voluntary? Yes, I do. Perfect. Your suit is good? Yeah. Okay, you're all set. Open the door for Mr. Warren, please. Their brains were fried when I took over the object. Ah ouais, ils sont tous morts. Ils étaient sous contrôle. Ok. Mission suivante. Une bonne défense.
Ah! Ah ben voilà, field training, j'étais pas allé en effet. Document. Non, ça c'est ce que j'ai récupéré tout à l'heure. Je souhaite déposer une plainte concernant l'utilisation non autorisée de ma voix pour un usage auquel je n'avais pas donné mon accord. Cette répétition... Manœuvre de soldat... Je ne tolérerai pas d'être humilié devant mes pères. Randall Polaski. Ok. Donc ça, c'est mineur. Pas intéressant. Ah oh, mais le niveau de détail quand même pour des environnements qu'on... Enfin, on va traverser une fois et rien de spécial. Terminer le parcours d'entraînement. Welcome to the Ranger Field Training Course. The course must be completed in the specified amount of time. When you're ready to start, press the button. Is that all, or...? I always did love obstacle courses. Course starting in 5, 4, 3, 2, 1. Go. Ah, c'est l'autre. Il faut faire quoi? Ouais, ça en fait ça sert à rien à part Easy. Ah si, c'est bon. Et je peux purifier. Ah non, c'est quoi? C'est un objet. Ah, un coffre-fort. Ok, c'est purifié. Ah! Bouclier. Ok. Ah, j'ai un bouclier maintenant. Ah oui, par contre, je peux pas attaquer pour que j'ai mon bouclier. Ah, finalement, les quêtes secondaires, elles sont plutôt simples et elles permettent des belles techniques en plus. Hein. Je me doutais pas de ça, tiens. Une bonne défense. Utiliser le jeton dans le jukebox. Je sais pas où c'est ça. Agent d'UIS. Non. Résultat de Nocturne Américaine. Le programme Nocturne Américaine a été opéré avec succès pendant plus de X années, pensé à l'origine comme une entreprise de désinformation de la population sceptique des États-Unis. Laisser les civils appeler pour raconter leurs expériences paranaturelles a mené à la découverte de nombreux EAM et matériaux altérés. Ah, c'est malin. C'est malin. C'est vicieux et c'est malin. J'avais fouillé ça. Ah, il est là, jukebox. Alors, niveau 1. Fais voir. Précision des armes ennemies, plus 25%.
Débuter l'expédition. Ah. Voyons voir. Oh. Ok. Explorer les quatre îles et éliminer la menace du Hiss. Ah ouais. Eh non. C'est abusé là. Mission échouée. Pourquoi? What? Mais c'est dégueulasse. Pourquoi? Pourquoi? Expédition hautement risquée offrant des récompenses légendaires. Expédition à risque maximal offrant des récompenses extraordinaires. Ah non. Bah non, mais j'en ai rien à faire de ça là. C'est nul. C'est complètement naze. Pardon, hein. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont foutu, Remedy? Mais c'est pas possible. Trouver le miroir. Synchronicité. Je suis en train de faire le montage pour le DLC. Et ça m'embête parce que j'ai encore ces sautes de frame qui fait que j'ai des décalages audio que je ne peux détecter qu'une fois l'export fait. C'est absolument insupportable à gérer, et j'ai vu que je m'étais raté sur le let's play d'Half-Life Alyx. Il y a des endroits où ça m'avait échappé. Synchronicity, c'est là. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire? Un tronc. Eh ben. Labo de synchronicité. Faut aller en haut. Ouais. Je pense. 4. Une note. Expérience de synchronicité. En guise d'expérience, des écrans de télévision ont été placés dans plusieurs endroits dans le monde, dans des pièces décorées de la même façon. La théorie voulait qu'en donnant le même décor à chaque pièce et en réglant toutes les télévisions sur la même chaîne, sauf une, celle qui était différente s'alignerait sur la fréquence de réception des autres afin de rejoindre la synchronicité formée par les autres. L'expérience semblait être un échec jusqu'à ce que tous les agents responsables de l'arrangement et de la surveillance des pièces se mettent à montrer les mêmes troubles émotionnels qu'un membre de l'équipe diagnostiqué dépressif. Il se trouvait dans la partie est de... Un examen psychologique des agents a prouvé la corrélation. Le phénomène de synchronicité s'est donc produit, mais pas de la façon prévue. Ok. Et en faisant le montage, je regrette quand même de ne pas l'avoir fait sur certains épisodes de contrôle. Il me semble qu'il y a un ou deux épisodes qui auraient mérité des petits cuts pour que ce soit moins pénible à suivre. Mirror testing. Ok, c'est là. Oula, niveau 6, j'ai. Ouais, j'ai. Why'd they keep an altered item here? Quelle drôle de question. Pourquoi ils gardent un objet altéré ici? Pourquoi ils en gardent pas? Enfin, ils en gardent de partout depuis le début du jeu. En quoi c'est étonnant? Alors le miroir. Cette proposition vise à enfin déterminer avec précision la nature de l'espace réfléchi dans l'objet altéré. Est-il transplanaire, généré psychologiquement ou ancré dans notre propre dimension? Comment l'objet altéré peut-il connaître l'espace alentour de façon assez précise pour le réfléchir? Pourquoi reflète-t-il certains matériaux mais pas d'autres? Cet espace est-il une réalité virtuelle? Dans ce cas, nous en possédons un côté, mais nous devons envisager que quelqu'un contrôle l'autre. À quelle fin peut-il l'utiliser? Peuvent-ils s'en servir pour passer dans notre monde? Quelles sont leurs motivations? Oula, il y a une petite faute de féminin là.
Enfin, dans quel but l'objet altéré produit-il les réflexions des individus qui y pénètrent? Ces entités réfléchies peuvent-elles quitter l'objet altéré? Blablabla. Ok, ok, ok. Alors, on va voir à quoi ça ressemble. Est-ce qu'il y a quelque chose? On sait pas, on sait pas. Je crois qu'il n'y a rien sur rien. De l'autre côté. Je ne comprends pas trop. Ça ne s'ouvre pas, ça. Confinement du miroir. Ah, un indice. Le miroir ne réfléchit pas parfaitement ses alentours. L'environnement visible dans la glace est légèrement différent. On ignore pourquoi le miroir agit ainsi. S'il existe... Hein? Alors nous ne pouvons pas le percevoir. Une hypothèse populaire veut que le miroir ait un but, qu'il réfléchisse le monde tel qu'il le désire, remplaçant subtilement notre réalité par la sienne. Bien qu'elle soit tirée par les cheveux, cette hypothèse est digne d'intérêt, ne serait-ce que pour éviter de sous-estimer cet objet. Des panneaux de pierre noire spécialement conçus ont été installés afin d'empêcher le passage, que ce soit depuis l'extérieur ou l'intérieur du miroir. Par mesure de sécurité supplémentaire, il faut arranger les panneaux d'une certaine façon pour ouvrir la porte. D'accord. Alors, quelle est cette... Ah, j'avais pas vu. Ah, il y a quelque chose, attendez. Le miroir, c'est sur ça qu'on va se baser. Alors je... J'imagine que là, c'est celle du milieu en bas. Non, je comprends rien. Ah, je comprends pas. Et l'autre ? Alors. Oh. Baba. Donc c'est les deux premières. Là. Non. Voilà. Ah ouais. C'était ça. Je l'avais mal lu au début, mais j'avais... Enfin, j'avais la bonne idée, mais j'avais mal interprété. C'était pas si compliqué, en fait. Allez, direction le miroir. Oh. Sympa, l'effet. Ok. Oh. Yeah, that's not good. Ah, c'est pas mal. Ah, je sais plus. Ah, c'est là. C'est lequel? Comment je peux savoir? Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 j'ai un peu peur. Y'a quoi là-bas? Ah, explorer l'espace. Ben voilà. Ah là. Oh. Ah ben ça y est, je les ai fait venir, non, les ennemis. Lumière rouge. Ça m'avance pas. Ah, mais non, fallait juste les faire une par une. Oh, essaie-je Jesse à l'envers. En verlan. Oh, ça va être bien. Oh, ça va être fun. Peut-être. Essaie-je, viens de battre. Ouh là là, ça y est. Ouh là, on est où là? Oh là, allez. Est-ce que... Est-ce que...
pas l'imitation. Ah ouais, faut que je fasse gaffe. Ah mince, j'aurais voulu. J'aurais voulu une autre. Oula! Ah! Y'a pas de vie là, si! Allez! Non mais, au début on lui enlève trop de vie. Et à la fin, c'était trop. C'était sympa. C'était sympa. Ok, je peux repartir du coup. Les quêtes secondaires, elles sont pas mal, celles-ci. Hein. L'effet est vraiment cool. Yes. It's cleansed now. This is gone. It's dealt with. Ok. Allez, mission suivante. Qu'est-ce qu'on prend? Corvée de frigo. Tiens, elle m'intrigue celle-là. Capacité. Qu'est-ce que je prends en capacité? Ah oui, j'ai pas choisi. Je vais prendre des grenades. Les ennemis, je sais pas. Je sais pas. Parce que j'ai envie de me... de me friter avec... avec l'autre, là, aussi. Corps à corps, je pense pas, hein, franchement. La saisie, c'est pas mal. La lévitation, est-ce que ça peut me servir contre... peut-être, hein, contre le boss final. Enfin, boss final, je m'entends. J'ai combien? 72 000. Ouais, au pire, je peux resetter les trucs. Je vais aussi faire ça. En fait, les deux sont bien. Oula. Ça s'est pas mis à jour tout de suite. Ah non, pas le bouclier. C'est pas le bouclier que je voulais. Non. Quel gâchis. Bon, c'est pas grave. Oh là là, quel gâchis, je m'en sers pas du bouclier. Je vais devoir me forcer à m'en servir. Construction astrale. Et il me manque des trucs, hein. Déplacement rapide. Il faut que j'aille au panoptique. C'est là. Ah oui, Philippe, j'arrive. Hey, what can I do? Oh, you're back. Oh, thank you, thank you. If I look away, I don't know what this thing will do. You have to get me out of here. The door can only be opened by the Panopticon supervisor. That's Langston, if he's still around. Langston. Yeah, I know him. I'll go ask him how to get you out. Please hurry. My eyes, they can't. They can't. Hey, calm down. Just focus. What's your name? Focus, right. My name's Philip, and I think I can hold on for a bit. It's just my eyes hurt so much. Just hang on, Philip. Franchement, je trouve ça super malin. Tu vois? Security. Ah oui, c'est là. Ok. There's someone named Philip up in a cell. He's watching the refrigerator and very rapidly losing it. Philip. Oh shit, I forgot about fridge duty. He's been in there for over a day. I totally forgot.
You forgot about him? There's a lot going on. The hiss, the Benikoff TV. Considering the number of things I'm juggling, ma'am, I think it's... Listen, it's fine. We just need to get him out of there. He said you'd be able to open the cell door. Yeah, I can unlock it on my terminal. There. Done. Door open. But Philip can't just leave. The fridge is behaving erratically. Ocular contact is the only thing that seems to placate it. If we don't have someone in there watching it 24/7, people will die. I'll figure something out. I'm pretty good with these things. Being pretty good with altered items isn't standard bureau procedure, ma'am. He doesn't know us very well. Okay. I'll see you later, Langston. Et qu'est-ce que je dois faire? I'll be here, like always. Hello? Jesse? I'm back. I'm coming in. Thank you. Oh, thank you, thank you. J'arrive, pas de panique. Attends, j'ai un truc à lire. incident impliquant un employé. L'incident en question s'est produit le et a été porté à l'attention du département RH par le personnel de sécurité interne. Un sandwich coupé en diagonale a découvert que le réfrigérateur avait son repas. L'agent Filson a alors donné des coups de pied dans l'appareil électroménager, propriété du bureau, en exprimant sa frustration à voix haute et de façon très grossière. Ce comportement a vivement inquiété plusieurs membres du personnel présent sur place. Bon, d'accord. Procédure du miroir, multimédia, c'était le message à l'envers. Ah, le message à l'envers, ça peut être intéressant. Attendez, parce que le message à l'envers... je sais pas où on peut le voir. Il y avait un titre dessus. Voilà. Il y a marqué « Compte rendu du miroir ». Ah oui, d'accord. Bon. Je m'attendais à un truc un peu plus alléchant. Oula. Ah, si on regarde d'ailleurs, ça fait mal. Oh, je sens le mini-jeu astral avec un concept. Ah, le formateur. Moi qui croyais qu'on le voyait pour la première fois dans le DLC. Ah ! Mais non ! En combat ! Mais pourquoi ? Mais c'est complètement barre ! Mais je le défonce en plus ! Mais... Mais quoi? Oh! Je veux du lore. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le délire là? The fridge seems fixed. Le frigo est réparé. Mon dieu, c'est comme ça a changé le... le monde du SAV. Panoptique. Ah non, mais le fait que ce soit instantané, mais c'est incroyable ça. Allez, je veux tout savoir là. Alfred? How'd it go? Where's Philip? Philip's gone. Something happened before I could get him out. Une fiche de salaire en moins. Poor Philip. He never did like fridge duty. But if you're here, then who's watching the fridge? The fridge is fine now. I took care of it. You don't just take care of altered items. What did you do? I touched it and wound up in the astral plane. This thing was in there. It was huge, had one big eye. Wasn't friendly. We've been getting reports from the astronauts lately about something fitting that description. The astral plane is usually connected to our world through objects of power, not altered items. If this thing is linking itself to altered items, then it's clearly powerful. This may happen again. Do you think that thing is what got Philip? Must have been. The Panopticon is a dangerous place. The agents all know the risks. But since you're some sort of altered item whisperer, I've got a list of others for you to corral.
The hiss are causing containment breaches left, right, and center. Here, start with these. I'll see if there are any others missing while you're gone. My life just got a whole lot easier. Okay. I'll see you later, Langston. I'll be here. Like always. Procédure du frigo. Formateur. C'est pas possible. Ah. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un message aussi intéressant. Non seulement il y a un peu d'humour, ensuite on y comprend des choses, et en plus, les doubles sens sont excellents. Entre la ville et la réalité cosmique et je sais pas quoi là. On est pas mal. I hope your day has been productive, little plant. That really works, huh? Ok. Ok, je m'attendais pas à ça. Bon, on va chercher les autres. I hope those nasty hiss haven't been bothering you too much. I wish my leaves were as pretty as yours. J'ai fait la moitié, ça veut dire qu'il y en a 6 en tout et j'en ai eu 3. C'est hyper... Ah non. Do you have a family? I have a brother. I miss him. Ça. Désaccord avec Underhill. J'estime nécessaire de vous informer de la documentation plus que douteuse qui se trouve sur le bureau d'Underhill. Il est évident qu'elle ne comprend rien à la mousse. Elle prétend que des micro-organismes sont à l'origine de l'édification de la mousse. C'est ridicule, c'est un champignon à croissance rapide, pas très différent du kudzu. Elle crée de la complexité pour justifier ses demandes de budget exorbitant. Et puisque j'en parle, je trouve intéressant qu'une de vos vieilles amies obtienne son budget sans aucune difficulté. Le comité de surveillance des opérations pourrait trouver tout ça absolument fascinant. Abraham Lewis. Ça, ce sera pour attaquer le second DLC. It's there now.
Almost coming. I'll be there inside. Locked. Ready to be blown away. Okay. Voilà. Et pourquoi là, là je peux lui parler? Pourquoi? Tout à l'heure je pouvais pas. I kinda wish there were more. They're good listeners. Ok, alors mission suivante. De peau par la peau. Quel bazar, encore plus de mousse. Éradiquer la mousse. Maintenance pompe de refroidissement. Je vais me téléporter. The mold's gotten in here too? All right. Let's get cleaning, she said, cocking her gun. Ah, c'est ça? C'est ça qu'il faut défoncer. On verra à quoi ça correspond. Ah ouais, ok. C'est des espèces de boules. Mais comment tu sais que c'est ça? Vache. Ah, oh, là-haut. Oh. Allez, mission secondaire. Brûler les déchets. Donc ça, on l'avait vu, le fourneau. On s'était baladé pas loin. C'est quoi les déchets qui encombrent le fourneau? So I'm taking matters into my own hands. Let this recording be the proof I need to convince them. The furnace can speak. It's been talking to me for some time now. Listen. Did you hear that? It's a sentient force capable of communicating. I checked and there's no record of ever installing this furnace. I believe that... Oh, sorry. What? Yes,
I can feed you. What do you eat? I see. I'll try to find some volunteers. Des volontaires. Ah, c'est ça les déchets. By trash, did Ati mean barrels full of hazardous biological material? Il y a des chances que oui. Ah, c'est vraiment de la petite mission secondaire à deux balles, hein, pardon. Breaking some environmental regulations on waste disposal, but if that's what Ati wants, then I'll get it done. Ok, plus qu'un. Par là, voilà. Oh bah c'est plutôt simple ça. Finalement les plantes c'était la plus dure des missions. C'est tout. Wouah, comme c'était facile. Collection. Éliminer le bouchon. Yes. Parfait. Hello again, Mr. Clog. You've really let yourself go. Il est où le bouchon? Je ne le vois pas. Alors, dossier. Processus du radiateur. Aucune procédure particulière requise. Formes sont inconnues. L'objet est capable d'adopter la forme d'autres objets à proximité. L'objet est capable de se déplacer sur de courtes distances en se repositionnant lorsqu'il change de forme. Cela ne se produit que lorsqu'il n'est pas observé directement ou indirectement. Pour cette raison, la transition entre les formes n'a jamais été observée. Le simulacre. C'était quoi ça? Bon. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ah, il y a une énigme. Éliminer le bouchon. Ah mais c'est lui le bouchon. Comment je descends? Ah voilà. Ok. Et là. Ah, je pensais qu'il y en avait un autre. Je peux pas le reprendre. Ah, mais je peux les reprendre. D'accord. Donc ça va être celui-là. Attendez. Activer la pompe. Voilà, étage inférieur. Oh, c'est que ça, mais non. C'est abusé. Bon, je vais pas me plaindre parce que en réalité, je préfère des petites quêtes secondaires extrêmement courtes qui rapportent 2-3 trucs que des quêtes secondaires un peu longues mais qui n'ont aucun intérêt pour le lore. Et qui rapporte pas forcément d'ailleurs des choses intéressantes en termes de gameplay.
Éradiquer la mousse. Confinement El Médica. Mark Gibson, male, age 28, returned from the astral plane approximately 13 minutes ago. This was his 21st dive. Patient is experiencing migraine-like pain, intense pressure behind the eyes, and partial blindness. He has no recollection of his time in the astral plane and appears severely disoriented. Preliminary examination revealed no immediate cause, so we will be sending patient for x-rays and... Ça se passe pas bien. Ils nous font un remake d'Alien. Aide médicale. Alors éradiquer la mousse. Et c'est quoi la mousse? Ah! Attendez. Je comprends pas ce qu'il faut. Ah. Easy peasy. Hein? D'accord. Rien à voir avec la mousse en fait. D'accord, donc la mousse, rien à voir avec les trucs rouges, on parlait bien. Des blocs qui font une petite lumière. Là. 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 Ah, il en reste encore. Quoi? C'est quoi cet endroit? Mais je suis où là? Oh la planque! Incroyable! Un mur qui s'ouvre comme ça, mais... Incroyable! Non, c'était vicieux. Il y avait une salle entre les deux. Bien joué. Alors là, bravo. Bravo parce que j'ai galéré. J'ai cherché un moment là. Je pense que j'ai cherché un quart d'heure. Lecture, un lieu sombre, ça c'est le 2. Bah, collection de pop. Oh, hello, director. Jesse, you're back. So, did you find anything noteworthy? The original Bureau expedition down here left so much interesting stuff behind. Like their ID cards. I picked up a weird one. It's pretty old. Oh wow, look at that. Yeah, I found a few ID cards myself. Or, more accurately, the Rangers found them for me. Are you starting a collection? I'm going for the whole set. I kid, of course. But I suppose they are sort of like baseball cards. Except for Bureau stuff from the 60s. The one you found is different than mine. It looks like it's a higher clearance level. A rare one, then. Want to keep it, Emily? Yeah, I absolutely do. But I think you should hang on to it for now. High clearance access might come in handy. Sounds like you have something in mind. Guilty. See, I've been going through Dr. Ash's notes, or the ones I can find, anyway. Like Darling, he seemed to enjoy hiding his most relevant research. From what I gather, there is another floor beneath the warehouse with a special lab that requires 5 high-level staff members just to access. Here, take this. It's an old skeleton key. Something else the Rangers found. I give them $5 for every useful trinket they bring me. I'm gonna assume this key is my ticket to that lower floor. And that super secret lab you mentioned. Bingo bango, as Dr. Darling used to say.
but keep your eyes peeled for more ID cards around the warehouse. If Ash's notes are reliable, and I'm sure they are, then 5 is the magic number. 5 cartes d'identification. Procédure du siège en forme de main. Multimédia, examens médicaux. Trouver 5 cartes, fondation, entrepôt. Mais ça se passe où? Ah, ok. Another ID card. Ah, un badge. For a cartographer. Et j'en ai 3 sur 5 du coup. J'en avais déjà trouvé 2 un peu au pif. Ah, là, une carte. Another one of those ID cards. Security chief. Une. Requête refusée. J'ai une mauvaise nouvelle, monsieur Wilder. Vous vous souvenez de Robert Ricardo, ce type qu'on a embauché comme consultant spécial? Aujourd'hui, il a trouvé une cavité entièrement recouverte de globes oculaires avec un pilier étrange au milieu, assez similaire à celui du carrefour, mais en plus petit. Un membre du bureau le suivait à la trace. Ah, c'était pas le bon truc que je disais. En tant que responsable des excavations, mon travail consiste à assister l'équipe de recherche. Je me suis donc procuré la machine pour votre ridicule projet d'étude du sable de la fondation. Cependant, il est aussi de ma responsabilité d'assurer la sécurité de mes équipes. Avez-vous conscience du nombre d'allers-retours nécessaires pour amener un bulldozer entier ici, pièce par pièce? Savez-vous combien de mes hommes y ont perdu la vie? Petit indice, beaucoup trop. Ce qui m'amène à ma réponse d'aujourd'hui, un formulaire vient d'atterrir sur mon bureau. Apparemment, vous désirez un, je cite, « hélicoptère léger de classe militaire mono ou biplace afin d'explorer par les airs la vaste étendue des colonnes. » Et je suis sûr que vous n'avez pas pris un seul instant pour vous demander combien de temps d'argent, d'efforts et de sang ce petit joujou nous coûterait. Eh bien non, monsieur. Je suis navré, mais je n'infligerai pas à nouveau à mes hommes la traversée répétée du piège mortel qui nous attend là-haut. Bordel, ces gens ont des familles, quand bien même ils ne les voient plus franchement. Requête refusée. Ah, c'est là. Ok, bien planqué, bien planqué. ID card was for an excavation engineer. Why did so many people abandon their cards down here? Ah, c'était bien planqué là quand même. Ah, un écrit. Résumé de Meteor Hill. Ces documents ont été modifiés pour satisfaire les normes administratives en vigueur. Résumé des événements, cette occurrence paradimensionnelle a consisté en 3 effondrements séquentiels induits par des implosions souterraines qui ont révélé une substance inconnue ressemblant à du magma. Une section locale de la Fondation des sciences pour la jeunesse participait à une fouille archéologique lorsque l'événement est survenu à proximité. Beaucoup de jeunes garçons ont été blessés par les éboulements. Certains ont directement touché le magma. Des agents du bureau sont arrivés sur place 7 jours après l'incident. Des échantillons de la substance ont été prélevés. Sur nos recommandations, la zone a rapidement été interdite au public. Notre objectif était d'assurer que les restes de la substance ne posaient plus de danger. Blablabla. Bon, ok, rien de particulier. Allez, on se casse. Je vais me casser par là. Mais à quel ascenseur j'accède ? From the layer of dust on this place, nobody swept here in years. Not even Ati. No way he'd stand for this. There's an elevator.
which I'm sure is super safe, in a space in each terminal for an ID card. But which card goes where? Ah, comment savoir? Là, il y a un truc de physique, là, je sais plus comment ça s'appelle. Qu'est-ce qu'on a? Chef excavation. On a des numéros. Lead physiciste. Allez, je le sens bien. Ici. C'est quoi? Des armes? Security. Ouais, ça va le faire. Ici, cartographeur. Ici. Ah, il y a un truc sismique. Recherche ou excavation? Faites voir là. Recherche ou excavation? Je sais pas. On va mettre recherche. Parce que le mec a l'air diplômé. Ah ouais, excavation. Où est l'entrée? Là. Labo. Les notes du docteur H. Dust. Still, this lab's way tidier than any of Darling's. Oh, c'est grand quand même. Qu'est-ce qu'il y a partout là? Pourquoi on toucherait une valve comme ça? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Fragment change. C'est bien rangé en tout cas. C'est propre. Attendez, je vais voir s'il y a autre chose. Ah non, c'est l'ascenseur. Ah, c'est bizarre cet endroit. Pourquoi j'avais une valve là-bas que je pouvais tourner? Qu'est-ce que c'est que ça? Why would they need such a heavy door down here? Morceau de pierre. Ok. Oh. Conceptrice de procédure guide. Je sais pas sur quoi je tire, mais... C'est flou, hein. Elle est où? Oh, je vais mourir. Oh, j'ai survécu. Ah, c'était quoi cette bestiole là? This looks like the nail.
Only mini. Le clou version miniature. A document. Is this in some kind of code? I can't read a word of it. Ah. I should take this back to Emily and tell her I got into Ash's secret lab. Ah, c'est pas mal quand même ça comme mission secondaire. Northmoor, dernier avertissement. À l'attention du docteur Theodore H. Fils, en tant que directeur du bureau fédéral de contrôle et représentant liaison bienfaiteur de l'autorité supérieure qu'est le comité, j'ordonne votre retrait immédiat de la fondation. Les circulaires précédentes, transmises en grand nombre au personnel de la fondation, appelaient à une réassignation rapide vers les niveaux supérieurs de la maison. L'ensemble du personnel a obtempéré, excepté vous. Cela indique un manque de respect envers ma fonction et envers le comité lui-même. Nous sommes ici des invités, nous devrions nous conduire comme tels. Cette insubordination serait en temps normal un motif suffisant pour une mise à pied, mais par respect pour feu votre père, considérez cela comme mon dernier avertissement. Le comité ainsi que le directeur H m'ont désigné comme successeur et votre mauvaise volonté n'y changera rien. De fait, votre obstination semble vouloir prouver que je suis dans l'erreur et par extension que le comité l'est également. Permettez-moi de vous l'assurer, cela n'est pas possible. Cordialement, Dr. Broderick Northmoor. Ah ouais. Isn't my favorite director. I found Ash's secret lab. Excellent. Please tell me everything. Spare no details. Well, there was another cave. The walls were covered in paintings of eyeballs. The research seemed dedicated to studying a kinda smaller version of the nail. It looked like the same material as the one up here, but just a different shape. Well, are you sure you didn't see any functioning prototypes? Or at least some schematics? I mean, Dr. Ash was a very accomplished engineer. None. Sorry. I did find this handwritten note. Wow. Ash had terrible handwriting. Never meet your heroes, right? So it looks like a transcribed conversation between Ash and someone named F. Ooh. Oh, this is juicy. This'll take me days to parse out. Maybe weeks. Have you ever thought about taking a vacation, Emily? Are you kidding? This is my vacation, Jesse. Ah bon? Okay. Bon, on y est. J'ai décidé d'essayer de retenter le combat avec Marshall. Director Faden here. Dispatch a ranger to this location. Maintenant que j'ai un lance-grenade, on va voir ce que ça donne. Oups. Ah ouais, par contre, si elle esquive tout, je suis mal. Je peux pas le prendre lui. Ah si. Par contre j'ai bientôt plus de vie. Pas du tout ce que je voulais faire, mais ça a marché. Mais... je suis mort. Putain. Ah.
vie. Comment je peux reprendre de la vie là? Je peux pas. Bah c'est la fin. À moins que... Ah. Ah oui! De la vie, de la vie, n'importe comment. Mais ouais. Allez! Vite, vite, vite! Allez où? Je vois même pas où elle est. Faudrait que j'ai de la vie un peu partout pour survivre. C'est con parce que si j'arrivais à prendre le contrôle d'un... J'arrive à lui faire du gros dégât par moment mais... Je sais pas où aller. Je sais pas où aller. Voilà, j'ai du mal à me concentrer là. Je sais pas où aller. Elle est où? Ah non, là-bas, si je m'isole... Je sais pas où aller. Oh, je l'ai eu. Je sais même pas comment. Je tremble. Je tremble. Vite que je déclenche ça.
Well, fuck you too. Oh, I'll be sure to. Let's play it smart. They don't need to know I'm onto them. Not yet, anyway. Ah, ça me va bien, tu peux leur parler comme ça. Insupportable ce genre de combat là. Ah, c'était vraiment désagréable. Ça rappelle les pires heures de Quantum Break. Hein. Tellement bazar, on est assailli en permanence, on sait pas trop ce qui se passe. On meurt, on peut mourir en vraiment, mais une microseconde. Retourner au carrefour. Ah ouais, là, je vais pas me gêner. Et j'espère que le second DLC, il est moins violent. En termes de combat, merci bien. Mais c'est où? Par où je repars? Je sais pas par où partir. Ah oui, là-bas, il y avait les trucs rouges du Hiss. Oh, le formateur. The nail is secure. The hiss can't touch it. I can't undo the astral bleeding in the foundation, but at least it stopped. Along with the seismic activity. You did it, Jesse. Did you ever find Marshall? I did. She's gone. She died thinking she'd save the Bureau. Not a bad way to go. I wasn't ready for this crisis. I didn't even see it coming. But I promise, I'll be ready for the next one. I mean, what good is a director who can't hold her bureau together? Ça fait plaisir de voir cet écran. I thought I know how to handle things now that I'm the director. Clearly, it's not that simple. I need to choose a direction for the Bureau. It should be one that serves our goals, not the board's. Whatever those are, I need to lead my way. Ah, on peut jouer. Ça restait comme ça. Donc faites voir un peu là au niveau des missions. Ah oui, il reste pas grand chose là en fait. Hein. Là on a poncé pas mal de quêtes secondaires. Hein. Il reste les... De vieux amis, c'est de tuer des ennemis spécifiques dans des zones. Et les évadés de Langston, je sais pas. Des objets... Donc ça va être un lieu sombre à prendre la prochaine fois. Eh ben écoutez, on s'arrête là et on attaquera le second DLC qui, je l'espère, sera moins porté sur les combats. Là, il y en avait trop. Il n'y avait que ça, quasiment. Puis ils étaient chauds quand même. Les derniers étaient chauds. Mais j'espère qu'on en apprendra plus. Surtout que j'ai failli me faire spoiler parce que j'ai vu que c'était Alan Wake qui avait l'air d'écrire. Oh, je sais pas, on va voir. J'ai trop hâte. Ça va être trop bien. Allez, ciao tout le monde.